les hommes à lunettes, alors ça évoquait tout de suite et immédiatement quelque chose qui avait à voir avec quelque chose d'au-delà du sentimental, quelque chose qui était plus dans la chair, dans les tripes, si on peut dire. On voit tout de suite où ça peut aller. Et il a assez vite, quand il a parlé de ce projet, il a assez dit qu'il y avait toute une partie du film qu'on ne voyait pas dans le scénario, quelque chose qui était invisible. Ce sont des premiers rôles, on peut dire, si ça veut dire quelque chose, on est là de bout en bout. C'est, pour ma part, dans le monde du cinéma, c'est rare comme expérience d'avoir une charge comme ça à jouer. Donc ça, c'est... Voilà, je crois que c'est ça qui m'a le plus touché aussi, c'était ouais, cette part d'invisible que j'ai vu arriver après. Il y a un glissement progressif de tout le film, et puis on va découvrir que derrière cette façade affichée, il y a autre chose qui se trame. Ça, c'est passionnant.